Mankambwe Fungwamie. Voyage aux États-Unis et Zongili Soussou avec force. Joe Biden, na Kamara Harris, Bayena Mupepe Asika, na résultat à Develoterie 2022 et Kobima à partir y a le 8 mai 2021, na 18h, R de Kinshasa, na Cybercafé, Ben Lubitsch, Oyezwamina Avenue Essanja numéro D, en face y a Hôtel Phoenix, Bon Marché, commune de Barumbu. Na Kinshasa, topé si binombote. Les alinga inde konabino Ben Lubitsch, y a Cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis ici Nazali pour na ko rappeler na bande ko nyonso ba participer ki na programme ya Develo Loterie 2022. Oyo betama ki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali ko bima le 8 mai. Ovanda kana poto na Belgique na France, otika bana na Kinshasa, moi si azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo pote moi si na yo to bana na yo. Bayan aux États-Unis. Ko gagner Develoterie Oyo ezobima. Ce qui osa na mbongote, ya ko voyager, pe ba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique, nyonso e koza la prise en charge na Cybercafé Ben Lubitsch. Ozala kana poto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique, otika mwana na Congo, otika mwasi pe bande konayo na mboka RDC, ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yango yo a ne pas rater avec Ben Lubitsch, le spécialiste en immigration américaine, oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obenga ye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis obengi ye na 00 1 202 913 89. Au Bengiwana, au Zuba Instruction, pour na mwana, moi si, Tobande Konayo, Bakende, na États-Unis d'Amérique. Le président de la plateforme de confession religieuse a invité ses pairs pour réfléchir principalement autour de la mission qui est confiée à la plateforme, celle de désigner un candidat commun à la présidence de la CENI. Comme vous le savez, on avait fait un appel à candidature dont le délai final était le 9 avril 2021, et au bout de cette échéance, chaque confession religieuse devait se mettre au travail pour faire un premier tri des candidatures perçues jusqu'au maximum 3 candidats. Et c'est l'état des lieux de ce travail qui a été l'objet principal de la réunion. Suggérer de constater que nos pères spirituels se sont vraiment engagés dans les plateformes pour répondre à cet engagement. À ce stade, il est question de poursuivre tout en regardant du côté du Parlement parce que, comme vous le savez, on a commencé très tôt compte tenu du volume du travail qu'il y a, compte tenu du sérieux qu'on doit donner à ce travail, mais on dépend aussi du travail qui se fait au niveau du Parlement pour les réformes. Comme annoncé dans un des communiqués, c'est à la lumière de réformes de la loi portant organisation de la CENI qu'on va finaliser ce travail. Et là, le constat est malheureux. On est en train d'observer une certaine léthargie, une certaine nonchalance. Et nous craignons que ce soit une volonté politique à attirer les choses à longueur pour les dividendes politiques. C'est pour cela que le chef de confession religieuse lance un appel aux députés nationaux à un sens de plus de responsabilité pour que ne soit pas la cause d'un glissement
qui seraient nocifs pour le pays, qui ne voient pas leurs intérêts, leurs postes à préserver au niveau du Parlement, mais qui voient plutôt l'impact de ce comportement, de cette lenteur par rapport à la vie de la nation. En deuxième lieu, c'était le père spirituel, on fait l'état de lieux, dans des situations de crise qu'il y a dans l'une ou l'autre confession religieuse. Ils ont pris des dispositions responsables à leur niveau, notamment saisir les autorités judiciaires pour des cas qui demandent leur intervention, mais aussi continuer des investigations pour savoir ce qui se passe exactement. Le but, c'est prêcher la paix sociale. Merci. On ne peut pas continuer sans les réformes, sans la finalisation. Et le président de l'Assemblée nationale avait pris un engagement qu'il allait s'investir. C'est un travail qui peut être fait dans une semaine, deux semaines, s'il y a volonté politique. Donc ce serait vraiment désolant. C'est une hypothèse à laquelle nous ne voudrions même pas penser, parce qu'on a affaire aux responsables qui sont. Bah, tata Milimu, ya ba Mangomba, ya Losambo, ba confession religieuse, ba Sangana ki, nanti na iba letina yambo, ezali pona ko kabola ba experience, ko ta la boni boni, confession religieuse, moko moko ezali ko kende liboso na musala moye, ya ko pona candidat commun, etenya liboso ezala ki, bazali ba candidat ba kende ko déposer ba candidature na bango na confession religieuse oyo ba poni etenya mi balé ezali confession religieuse moko moko ba banda ko tala ba candidature ba zwaki ba ponate ekoma au maximum misato simana yango nde ba koya na plénière ya plateforme ba kamata ki pe mokano ke ba kusala nyonso po te ba koma na candidat oyo akozala candidat moko. Il y a ma confession religieuse. Yango wana na réunion à lelo, ezala ki pona kotala na niveau ya confession religieuse moko moko ba komi na niveau nini. Esengo ezali ya koyeba te ba confession religieuse ba sali musala na bango pe na étape wana. Ba confession religieuse nyonso basi ba sali musala ya kotrier na niveau na bango ba candidat oyo ba koki ko présenter na plénière. Ah ba ko présenter bango na plénière et ko zala lisusu candidat ya confession religieuse songolo pakalate et que zalaba candidat à confession religieuse yangwana étape ya simande zaliwana boni boni tokoy ko uta na ba candidature oyo et ponami na ba confession religieuse ko sangisa yango ti awa tokoma na candidat moko kasi pote musala mona moko na suka esengeli oyo zali ko salema na parlement esila na parlement ba ba parlementaire baza ko sala mosala ya ba réforme o ezali ko tala boni boni CENI o ezali commission électorale nationale indépendante boni boni esengeli ko bongisama mpona ko assurer bon somme ya maponami indépendance ya élection soki mosala mona mosilité oyo ba tata mieli mo bazali ko sala pe moye ba komisango na sukate ezali kaka pour na bangote mais ali pe pour na bayi politique parce que bureau a seni ezali kaka ba confession religieuse te ntina nini bango ba kosala musala soki ba politicien bazale na no prête pour na opesa pe ba candidat na bango soki ba susu pe a société civile te bazali prête pour na opesa musala na bango yango wana ezali pasi mingi ya komona te na parlement bazali kozwa ngonga mingi ezali musala oyo soki esalemi penza na nzela na bozindo na lombango eko kokamata poso moko poso mibale sika tobandi kolanda deja poso misato sanza moko kasi awa president assemblée nationale azwaki engagement te ye na batu na ye bakosala nyonso po te session esila te sans ke basilisa makambo mana ewa batata milimo bakosenga na bango basala makambo na ndenge te mboka ekende liboso tozonga nsima lisusu te ya mibale ezalaki mpona kotala boko makambo ndenge bazali kolekama na baconfession religieuse basusu lokola epa bandeko na biso ya musulman basali basangisi makanisi basi basaisir deja ministère ya justice ezali ministère ya tuteur mpo bazali na responsabilité ya monene na likambo yango mpe bainstruction epesami mpona kolanda na bozindo oyo ezali kolekama tembete na mikolo ya nsima soki bamoni mwa polele soki bazali na likambo ya koloba bakoloba.
Vous savez que depuis que nous sommes à la tête du ministère de l'EPST, il y a des séances de travail auxquelles nous nous sommes livrés, des séances de prise de contact et des états de lieux de notre sous-secteur pour nous permettre de faire le point, nous faire une idée qui nous permet finalement de nous jeter dans l'eau afin de prendre certaines orientations et décisions qui s'imposent dans le cadre du redressement du secteur de l'EPST et surtout de la consolidation de la gratuité. Alors tout à l'heure, comme vous l'avez constaté, je suis venu rencontrer les évêques au niveau de la Synco pour faire justement les points. Étant donné que l'Église catholique et son réseau d'écoles constituent des partenaires privilégiés dans mon sous-secteur, et il fallait faire avec eux les points sur ce que l'Église et son réseau fait déjà, surtout dans le cadre du programme de la gratuité. Très souvent, les spéculations, les rumeurs ne rendent pas toujours compte de la situation réelle de ce qui se passe. Donc, avec les évêques de la Synco, on a fait un tour d'horizon sur un travail important qui s'est fait dans les 47 diocèses, surtout en ce qui concerne les écoles et la fameuse question des écoles fictives, aussi sur ce que l'Église fait également pour accompagner les programmes du chef de l'État dans le cadre de la consolidation de la gratuité de l'enseignement. C'est formidable, je suis personnellement impressionné. Je crois que nous allons marcher ensemble, réhabiliter d'abord les rapports qui ont été nuagés et ténébreux ces derniers temps pour essayer encore d'aller de l'avant. Et dans ce cadre-là, nous aurons sans embâge le soutien de la Synco pour aller de l'avant. Donc voilà l'essentiel de ce qui a été dit. Le reste, ça sera un travail technique qui se fera dans les jours qui suivent pour essayer de nous attaquer aux problèmes prioritaires qui essaient un peu de miner les sous-secteurs. Et la volonté y est, nous irons de l'avant et ça sera chose faite. Merci. Monsieur l'abbé, vous avez compris cette vision claire, cet engagement clair du ministre à gérer autrement l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Est-ce que vous allez accompagner le ministre dans cette question? Naturellement, je crois que la Synco et le ministre avaient les mêmes besoins. Comme vous le savez, les évêques ont pris l'engagement d'accompagner les institutions de la République pour le bien de la population. Et c'est dans cette perspective-là, le président de la Synco a pris contact avec quelques ministères, dont le PST, pour voir comment les accompagner. Et en même temps, le ministre voulait aussi rencontrer la Synco et c'est d'ailleurs lui qui a fait le déplacement quand bien même le président de la Synco a voulu le voir. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'ils partagent les mêmes vues. Donc, on s'est rendu compte que le ministre connaît bien ce secteur et depuis qu'il était parlementaire, il avait commencé ce combat. Et on s'est rendu compte qu'il est déterminé à rompre avec les antivaleurs. Quand il a pris la parole, avant même que le président de la Synco lui donne le mémo qui a été préparé à cette occasion, on s'est rendu compte qu'il avait déjà le même souci que la Synco. Et pour le reste, nous l'encourageons. Les évêques ont promis et ils sont sincères. Ils vont continuer à l'accompagner parce que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental, c'est l'avenir des enfants dont les évêques ont la charge pastorale. Donc il ne faut pas vous laisser distraire par les fous qui veulent craquer dans leur folie en disant n'importe quoi dans les réseaux sociaux. La réalité, le ministre la maîtrise. Thank you.
Mankambwe Fungwamie. Voyage des États-Unis et Zongili Susu avec force. Joe Biden, na Kamala Harris, Bayena Mupepe Asika, na résultat à DV Loterie 2022 et Kobima à partir y a le 8 mai 2021, na 18h, R de Kinshasa. Na Cybercafé, Ben Lubitsch, Oyezwamina Avenue Essanja numéro D, en face y a Hôtel Phoenix, Bon Marché, commune de Barumbu. Voilà Kinshasa, topé si binombote. Et Zalinga in de Konabino Ben Lubitsch, y a Cybercafé Ben. Nazali ko lance message oyo depuis États-Unis sika Nazali pour na ko rappeler na bande ko nyoso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022. Oyo beta maki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango Zali ko bima le 8 mai. O vanda kana poto na Belgique na France, otika bana na Kinshasa, moi si Zali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro Zali wana na se. Toko sunga yo, pote moi si na yo to bana na yo. Baya na États-Unis. Ko gagne DV Loterie Oyo et Zobima. Soki oza na mbongote, yako voyage, peba démarche, na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique, nyonso ekoza la prise en charge na Cybercafé Ben Lubitsch. Oza la kanapoto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique, otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC, oza na posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique, tala occasion yango yo a ne pas raté avec Ben Lubitsch, le spécialiste en immigration américaine, oyo azali ko travaillé na ba avocat américain. Obenga ye na numéro oyo. Plus 243 81 81 11 214. Et puis obengi ye na 00 1 200D 913 89. Au Bengiwana, au Zuba Instruction, pour na mwana, moi si, Tobande Konayo, Bakende, na États-Unis d'Amérique.